sorti un nouvel album, puis je vous fais une nouvelle vidéo pour une nouvelle toune qui sort d'un radio. C'est l'été, c'est le temps des barbecues puis des grillades. Je vous présente la Slicer. Ben, j'ai mon voyage, il s'est acheté un Slicer. Il peut faire ses grillades à volonté à cette heure. Elle sale pas, en tout cas, y'a pas peur. D'aller sur la clanche, il s'est acheté un Slicer. On est chez Carl. Carl Picato aussi, de la toune de Carpote à Carl de mon album Les étoiles se placent. C'est une autre histoire. Pourquoi que je suis venu à faire une toune qui parle du Slicer? Ben, mon chum Carl, il y a une compagnie d'épices, les épices El Salopard. C'est pour ça que dans le refrain, je dis El Salopard, en tout cas, il n'a pas peur. Puis je dis, il n'a pas peur d'aller sur la clanche. Il a pas peur d'aller sur la clanche, ça vient, c'est une expression qui vient d'un bonhomme dans une vidéo virage. Je vais vous la montrer, vous êtes là, c'est. J'ai pas de misère à aller sur la clanche, mon beau garçon. Mais ici, à touffe de poil, tu voudras, tu vois. Tu sais, j'ai mis sur le mauvais bord, mais. J'ai pogné le pouce. Tabernacle. Tabernacle! Fait que mon chum Carl, il est trop smart, puis d'un fin de veillée, il nous fait tout le temps des grillades, il sort son petit poêle, puis là, pauvre Yob, il allait tout le temps chez le boucher faire trancher son flanc de porc, puis il s'est acheté un Slicer, tu vois. Va aller vous le montrer, le fameux Slicer, le Saint Graal. On y va! C'est beau de loin, allez, le bonhomme! Là, y'a tant plus après personne. Ils s'organisent pour avoir du fun. Puis te faire bien manger toutes ces choses. Fait que dans le fond, cette toune-là, c'était une joke que je l'avais faite juste pour mon chum Carl, pour le faire rire. Mais lui, il me dit, c'était un hit, cette toune-là, Carl, grand amateur de country. Ben, je dis, ben oui, c'est vrai qu'elle est quand même pas pire, hein, mais c'est un inside un peu, c'est pour ça, encore là, que je vous l'explique, c'est quoi la patente. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'au lancement, la semaine passée, on avait monté le Slicer sur le stage, on avait mis un drap noir par-dessus, puis là, j'ai dit au public, on va vous faire jouer un instrument qui a encore jamais été joué dans le monde. On avait miké le Slicer, quand j'ai commencé à tourner, on a retiré le drap, puis Carl s'est mis à slicer du flanc de porc direct sur le stage. Puis là, en même temps, on avait tous mes amis, ils ont distribué des grillades que Carl a fait cuire toute la journée. 500 grillades pour tout le monde au lancement. C'est complètement débile. C'est la première fois que vous allez voir ça. Mon chum Carl, les épices et le salopard, c'est le gars du Carpote à Carl de mon autre album. Mon grand chum qui est tout le temps là pour moi. Ben j'ai mon voyage, il s'est acheté un Slicer. Merci grillade à volonté à star. Le salopard, en tout cas, y'a pas peur. Une autre petite anecdote, c'est que sur Spotify, on peut aller voir, quand on clique, je vais vous montrer sur une petite vidéo, quand on clique sur la chanson en bas, sur le Slicer, on peut voir l'image de Carl que j'ai filmé la fameuse journée parce que je l'ai aidé à le débarquer du char puis qu'il a slicé pour la première fois. On voit ça sur Spotify. Je trouve ça très drôle. Bon, ben, je suis vraiment pas bon dans les conclusions, mais je veux vous dire merci d'avoir écouté la vidéo. Partagez ça en grand nombre. Allez écouter mon album. Je suis vraiment fier de mon album. OK, c'est beau! Ok, c'est. Alors, regardez, ouais, je pense que ça va être ça. J'aime ça quand c'est un peu proche à fond. Y'a toujours.